Ce mois-ci, Grimpé Magazine nous offre un numéro 100% entraînement écrit par Rémi Samain, l'entraîneur de l'équipe de France. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à lire un numéro de Grimpé Magazine. Ça se lit tout seul, c'est clair, c'est pragmatique, plein de conseils super intéressants, il y a plein de fiches détaillées aussi, étape par étape. Rémi commence par un petit historique de son expérience dans l'entraînement, puis il nous propose quelques typologies de grimpeurs dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement. Perso, je suis plutôt courant alternatif. Rémi propose un modèle qu'il appelle le diamant, qui vous permettra de savoir quoi travailler, avec quel investissement, vous soyez plutôt diff ou plutôt bloc. Physique, technique, mental, tout y passe, avec des explications claires et surtout des fiches avec des séances types hyper détaillées. Le tout saupoudré de petites anecdotes, hein, vraiment. Sincèrement Rémi, à l'occasion, si tu peux nous écrire un livre complet sur le sujet, je pense qu'on serait très très nombreux à l'acheter. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Ce numéro est extrêmement riche en contenu, notamment sur les séances types, qui sont super nombreuses, qu'il s'agisse de la technique, du mental, de la force. Il y a 8 fiches sur le physique, 8 fiches sur la technique, 9 fiches sur le mental et 9 fiches sur la tactique. Le seul regret que j'aurais sur ce numéro, ce que j'avais du mal à voir dans tout ça, c'est comment organiser tout ça, comment planifier tout ça. Le sujet de la planification, il est abordé rapidement à la fin des fiches de prépa physique, dans un petit paragraphe, et sur les deux dernières pages. Le seul conseil que j'aurais à vous donner, si vous voulez vraiment progresser en escalade ou passer un cap, c'est de demander à un coach de vous faire des planifs, de vous faire aider par un coach. Si tu grimpes dans un club, demande à ton prof ou demande-lui des contacts. Et si tu grimpes plutôt dans ton coin, rapproche-toi de gens qui font du coaching à distance. Je pense à Rémi Samain qui a écrit l'article, mais aussi Nico Januel, Laurence Guillon de la Fabrique Verticale, la team Caillou avec Corinne Théroux, Guillaume Levernier aussi. Il y en a plein qui font ça. N'oubliez pas que l'entraînement est optimal quand il est personnalisé. On est tous différents. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de lire ce numéro spécial 100% entraînement de Grimpé Magazine. Et puis, bon entraînement et surtout, bonne grimpe.